Bonjour les amis, voilà pour vous 4 jours de week-end, Gine Course, La Gazette et Paris Turf pour le quintet de mercredi à Nantes. Harry Sassi, feu vert. Harry Sassi, feu vert. Lauréat du trophée vert. Harry de Sassi est également très performant sur les pistes en sable. Bien placé en tête et plaqué des antérieurs, il va donner sa pleine mesure, mercredi 6 novembre 2024 à Nantes, réunion 1. Deuxième course, Grand National du Trot, attelé, groupe 3. Deuxième étape du groupe national du Grand National Trot. 5 à 10 ans, 90 000 euros, 3 000 mètres, piste en sable. La course du jour, 16 partants, 2 échelons. Du 1 au 9, 3 000 mètres. Du 10 au 16, 3 025 mètres. Leur dernière course. Les jumelles du quintet. Horatius Della, le 5, a racheté. Repéré le 14 septembre à Vincennes. Harley Jima, le 13. Le 9, Gala de Crène, repéré le 23 septembre à la Capelle. Le 5, Horatius Della, repéré le 11 octobre à Vincennes. Le 15, Hidalgo Denoué, repéré le 3 novembre à Argentan. La découverte, Harry de Sacy, le 4, en rupture d'herbe. Brillant lauréat de la finale du Trophée Vert à Craon, Harry de Sacy quitte les pistes en herbe et veut démontrer qu'il peut briller aussi sur le dur. Le conseil de week-end 4-5-9. Les années d'expérience 2023, 2022, 2021, 2020, en un clin d'œil, bon favori, favori d'auteur, en baisse, en hausse, petite chance stable. Les déférés, déférés des 4, des postérieurs. Driver à suivre, meilleur couple, 15-2, 4-12, 6-3. Favori battu, le 5 et le 12. Forme saisonnière, 9, 11, 12, 13, 16. Les points d'appui, stade favorable, à savoir le cheval robot. Les astres par le nom 1, 6, 8, par les chiffres 16, 9, 13, par l'écurie 10, 4, 7. Pourcentage d'adversaires battus. Le 4 en tête de la conclusion. 4 à 8, 6, 13, 12, 15, 9. Le classement du Grand National Trot avant la deuxième étape. Le premier Y de Cylindre, Ebikid Houël, le deuxième, Hold Up du Dijon, Orchestre au quatrième, Hymne du Gers et Egouski Sotone. Cinquième, l'autopsie de Mazo, les écarts, le classement de l'autopsie 7, 12, 15, 4, 6, 3, 8, 6, 5, 11, 13, 14, 9, 10, 2, As. L'étude de Matheux, classement distance pondérée, classement performance, classement des numéros, pronos des Matheux, 5, 7, 12, 13, 3, 4, 8, 6, la forme des drivers. Le quinté par le chrono, meilleur chrono, le 15, une 14, le 6, une 14, 3. Avant première presse, trop, voilà les pronostics des médias et écarts. Le flambeur, ticket de base 5, 4, 8, 15, 13, 2. Votre gain, première chance, le 5, seconde chance, 13, 8, 4, outsider, 15, 12, 2, 16, 9, 3, 14, abandonné, 1, 6, 7, 10, 11. L'étude scientifique, le classement théorique, le pronostic scientifique, le bon d'essai, valeur, forme, réussite, aptitude, le concurrent par les chiffres,
Classement des meilleurs pourcentages de réussite. Synthèse. 6, 7, 13, 12, 4, 11, 5. L'étude de notre ordinateur. Détail des chevaux. Genco du Roussoir, le 1 après 10 soucis. Le 2, Goldap du Dijon. À ne pas négliger. Le 3, Elixir de Crène, toujours performant. Le 4, Harry de Sacy, d'après l'avis de son entraîneur Jules Leroulet, aussi vite sur le sable. Réussite dans les quintés 50%, c'est participation de victoire une place. Le 5, Horatius Della, d'après Marc Sassi, l'entraîneur, toujours au top de sa forme. Le 6, une véritable rentrée. Le 7, rentrée, d'après Philippe Boutin. Le 8, d'après l'avis de son entraîneur Dominique Locquineau, confirmation attendue. Genoveva, attention. Le 9, Gala de Crène, idéalement engagé. Le 10, Good Girl Marceau, en attendant le trot monté. Le 11, Gala Durfist, besoin de courir. Le 12, Y de Cylindre, doit rassurer d'après l'avis de son entraîneur Christophe Jariel. Gauvez contre Gauvez, ils vont mettre tout le monde d'accord. Voilà le programme de week-end. Le 1, Cedreux, déféré des 4. Le 2, déféré des 4, Franck Nivard. Le 3, déféré des 4, GP Maillard. Le 4, plaqué aux antérieurs, déféré des postérieurs, Gilles Roulet. Le 5, déféré des 4, Eric Raffin. Le 6, garde ses fers, W. Bigeon. Le 7, garde ses fers, P. Boutin. Le 8, déféré des 4, Mathieu Abrivard. Le 9, déféré des 4, E. Zermaï. Le 10, deuxième échelon, garde ses fers, Pierre Verquis. Le 11, garde ses fers, L. Guinoiseau. Le 11, L. Guinoiseau, garde ses fers. Le 12, déféré des 4, de Thomas. Le 12, déféré des 4, Bérochard. Le 14, garde ses fers, A. Léritey. Le 15, déféré des 4, à Barrier. Le 16, déféré des 4, GP Moclin. Les pronos de la rédaction: Mathieu Cobarno, Eric Broseline, Benjamin Nézol, José Gauvez, Guillaume Gauvez, Emmanuel Bello. Le classement 17 de week-end: le premier, le 5, le deuxième, le 4, le troisième, le 13, le 8, etc. Le pronom unique, le 5 base, le 4 tuyau, le 8 base, le 15 coup de poker, le 13, le 2, le 12, le 9. En cas de non partant, le 16, le regret, le 3, les meilleurs outsiders, 1, 14, pour toucher le gros lot, le 7, abandonné, 6, 10, 11. Les chaleurs d'entraînement, Harry de Sassy, le tuyau. Le pronom des pistes 4, 9, 3, 5, 8, 15. Multi 5, les bases 5, 4. On leur associe le 8, le 15, le 13, le 2, le 12, le 16, le 9, le 3, le 1. Retour en image de la course de référence. Horatius Della est bien placé. Voilà les cotes, mes amis. L'opinion du week-end. Le 1, 45, le 2, 18, le 3, 15, le 4, 7, le 5, 3, le 6, 120, le 7, 50, le 8, 8, le 9, 13, le 10, 150, le 11, 120, le 12, 12, le 13, 10, le 14, 37, le 15, 20, le 16, 28. Le 13, Harley Jima, va faire de son mieux.
Le 14, pas un objectif d'après Antoine d'hériter. Le 15, Hidalgo Dinoué, des ambitions. Le 16, Édial Lignery, à ne pas négliger. On continue, mes amis, avec la Gazette des courses. Quinté à Nantes, Grand National Trot, 16 partants, départ prévu vers 13h55. Horatius Della, le 5 et Revanchard. Trois chevaux à jouer mercredi en 2 sur 4 en couplet. Base, le 5, Outsider, le 2, Trouble Fête, le 4. L'analyse des pronos par Jessica Carter, Horatius Della aux commandes, le 5. La conclusion de pronos, les favoris de la presse, si je vous mettrai du piment, personne n'en veut et pourtant, le coup sûr. La forme saisonnière, 16, 9, 12. Écart des drivers, écart des numéros, le classement de la presse, notre coup de cœur, le 8. Gino Viva, l'outsider le 6, Stat Gazette 5, 4, 13, 8. Les records, la leçon du passé 2023-2022, le grand écart. Harrison de Plessis, Jim de Plessis. Jim de Plessis le 7. Jim de Plessis le 7, le grand écart, le 7, Jim de Plessis. Voilà. Mathieu, c'est Gino 1, Harry 2. Harrison Duplessis. Harry de Sacy. Voilà. Donc, Jim Duplessis. Le 7. Le grand écart, le 7, mes amis. Les records. Voilà. L'analyse des partants en un clin d'œil. L'analyse performe, parcours, confiance, combativité, la logique, l'introuvable, l'outsider. 5, 6, 13. Le résultat de l'analyse, 5, 12, 4, 13, 2, 16, 8, 3. Repéré sur les pistes, le 9, Gala de Crène et le 5, Horatius Della. En direct des pistes, les entraîneurs les plus confiants, 5, 13, 15, 4, 9, 8, 3, 16. Voilà, nos champs réduits, nous avons sélectionné. De 5 comme base, en couplet, en quintet, nous avons sélectionné 4 chevaux de base, 5, 4, 13, 2. On pourra leur ajouter un complément, et tel que 8, 12, 15, 9, 3, 16. Voilà le programme de la Gazette des courses. José Gauvez, ses pronostics, 5, 4, 8, 3, 13, 2, 12, 15. Jean Villa. 4, 2, 5, 13, 12, 8, 3, 9. Et ce, de Frédéric Schramm. 5, 8, 13, 15, 2, 4, 16, 12. La conclusion de favori, 4, 5, 13, 12, 2, 8, 15, 9. Joué en 2 sur 4, 4, 5, 13. Notre coup de cœur, Horatius de la Le 5 avec Raffin. Le favori de favori, Harry de Sassy, le 4 a tout pour plaire. Tiki Folie, Tiki Jackpot, Tiki Security, Tiki Forme. Nos jeux en 2 sur 4, 5, 13, 4. Multi, jackpot, risque, possibilité, ou bien possible, logique. Le 13, Harry de Jima, stop, info gagnante. Classement logique, favori, bonne chance, outsider de l'essai. L'avis de José Gauvez sur les chevaux. La forme des chevaux, les graphiques en vert représentent les chevaux. En forme, le 3, le 4, le 9, le 10. La synthèse de la Gazette. En résumé, Horatius Della à reprendre le 5. Dernière heure, le 13. On continue avec le journal Gini Course. Notre consultant le retrouve avec des ambitions. Horatius Della peut aller loin. Le dossier Quinté Plus à Nantes, mercredi 6 novembre, Grand National Trot. Départ prévu à 13h55, la distance 3 000 mètres, 90 000 de 5 à 10 ans.
Difficulté de la course 2 étoiles, piste en sable, corde à gauche, ligne d'arrivée 350 mètres. Le parcours tout tactique. La course référence, Gino Viva 4e. Les drivers s'expliquent. Franck Nivard sur le 2. Antoine Lirité sur le 14. Le ticket type, le favori au banc d'essai, la tactique express. Le passé de la course 2023-2022-2021. Info express, sa marche, engagement, bizarrerie du jamais. Le chrono, il vient de battre son record le 7, une 10, 2125 grandes pistes. Meilleur chrono sur le parcours le 15. Hidalgo Dinoué, une 14. Forme et écart au trot des numéros des drivers, les records. Le 1, le 2, le 3, le 4, après des soucis, à ne pas négliger, toujours performant aussi vite sur le sable. La sélection de Stéphane était la solution devant. Mon pronostic est tel que Harry de Sassy en tête 4, 5, 3, 8, 9, 12, 13, 15. Le 5, le 6, le 7, le 8, toujours au top de sa forme. Le 6, une véritable rentrée. Le 7, rentrée. Le 8, confirmation attendue. Le plus expert, le panier de génie, idéal l'ingénierie d'entrée. Deux jeux, le 16 idéal, l'ignorie. Idéal, l'ignorie d'entrée de jeu, base 16, 5, 4, 8, première chance 13, 2, 15, 3. Pardon, je prends pas les lunettes. Il me paraît un peu. Voilà le programme du quintet. Seconde chance 9, 12, 1, 14, 7. Gros outsider 11, 10, 6. Deuxième échelon. La dernière minute, le 5 Horatius Della, comme le montre sa musique, il reste encore un peu spécial, mais sa qualité ne fait aucun doute. Très dur à l'effort. Le coup de folie, le 16, idéal l'ignorie. Absent depuis 249 jours. Le classement logique, Horatius Della en tête, le 5. L'opinion de Barbara Issien, Madame Schiffer, Horatius en priorité, le 5. Forme et écart trop des numéros des entraîneurs, des drivers. Le ticket du patron, Horatius en tête et corde, le 5. Voilà son jeu. Les statistiques sur les pistes. Les performances. Le coin de multi. Flambeur audacieux prudent sécurité 12 4 5 8 on leur associe le 13 le 2 et le 3. La conclusion de l'ensemble de la rédaction base 12 4 5 tuyau 8 13 2 outsider 3 15 en cas de non partant le 9. L'avis du consultant Eric Raffin, voilà son choix. Horatius de Della peut aller loin. Voilà les cotes, mes amis. L'opinion des entraîneurs, qu'est-ce qu'il raconte ici? Le 1,65, le 2,20, le 3,15, le 4,6, le 5,7, le 6,120, le 7,85, le 8,12, le 9,14, le 10,120, le 11,100, le 12,10, le 12,10, le 13,5, le 14,45, le 15,14, le 16,20. On continue, mes amis. Le 9, idéalement engagé. Le 10, en attendant le trot monté. Le 11, besoin de courir. Le 12, doit rassurer. Le 13, va faire de son mieux. Le 14, j'aime le foot. Pas un objectif. Le 15, des ambitions. Le 16, à ne pas négliger. Le 14,
Pas un objectif, le 15, des ambitions, le 16, à ne pas négliger. Que dit la presse, le championnat de France des pronostiqueurs, les 13 médias, voilà. Les pronostics des médias, la synthèse de la presse la plus suivie en France, jouée sur Ginibet, favori, outsider, abandonné, les meilleurs pronostiqueurs au trop quinté plus du jour, les oui, dernier résultat des favoris de la presse. Voilà, on continue avec le journal Paris Turf. Réunion 1, mercredi, le 6 novembre à Nantes. Première course, montée. 18, pardon. Deuxième course, quinté, notre quinté, voilà. Notre choix, 5, 8, 13, 4, 12, 15, 2, chance, 3, 9, 1, 14, outsider, 7, 6, 11. La troisième course, 16, pardon. Statistique, tandem, jockey, entraîneur. La quatrième course. Seize, pardon. La cinquième course. 16, pardon, la sixième course, montée, 12, pardon, la septième course, course nationale attelée, 16, pardon, 3 échelons, 3000, 3025, 3050, la huitième course, 16, pardon, 2 échelons, 3000, 3025. Entraîneur trop, joker trop, changement d'entraîneur, chevaux non, pardon. Voilà les pronos des médias, deux chevaux, chaque presse. Notre quinté, la deuxième course. La Provence 5-4, Paris Turf 5-8, etc. Chevaux les plus donnés en premier, le 5 8 fois, le 4 5 fois, pour battre notre favori, le 13. Voilà, détail pour 8 courses. En direct des pistes. Sélection concours, meilleure chance. Deuxième, indice de forme. Deuxième course 4-3. Coefficient de réussite 4-3. Forme récente 3-8. Aptitude au parcours, etc. Information du jour. Réussite et écart des numéros PMU. Numéro en forme le 4. Numéro à l'écart le 5. Coefficient de réussite, indice de forme, classement théorique, deuxième course 5, 12, 16, 13, 8, 4, rapport probable. Passer des courses et émoji. Réunion 3,
Mercredi à Auteuil, première course, 6 partants. Deuxième course, 9 partants. Troisième course, 7 partants. Statistique tandem jockey entraîneur, coefficient de réussite. La quatrième course, réunion 3, 11 partants. La cinquième, 10 partants. La sixième, 10 partants. La septième, 14 partants. La huitième, 9 partants. En direct des pistes sont au départ entraîneur obstacle. Sélection concours. Meilleure chance pour 8 courses. Réunion 3. Classement théorique pour Réunion 3, 8 courses. Rapport probable pour 8 courses. Voilà notre quintet. Niveau de la course assez difficile. Groupe 3, course nationale attelée 90 000 euros, 3 000 mètres, piste en sable, corde à gauche. Réunion 1, deuxième course, départ prévu à 13h55. Voilà les cotes. Notre pronostic par Cédric Bloquet, nos préférés 5, 8, 13, 4, 12, 15, 2, 16. Chance régulière 3, 9, As, 14, outsider le 7, le 6, le 11, le 10. Le 1 après dissocié, le 2 à ne pas négliger, le 3 toujours performant, le 4 aussi vite. Sur le sable. Le 5, le 6, le 7, le 8. Le 5 toujours au top de sa forme. Le 6, une véritable rentrée. Le 7, rentrée. Le 8, confirmation attendue. Le 9, le 10, idéalement engagé, en attendant le trot monté, besoin de courir, doit rassurer, va faire de son mieux. Le 14, le 15, le 16. Le 14, pas un objectif. Le 15, des ambitions. Le 16, à ne pas négliger. Leur quinté précédent. Hold-up du Dijon. Élixir de graines. Horatius Della. Genoviva. Gala de graines. Y de cylindre. J'aime le foot. Hidalgo de Noué.
repéré pour vous dans le creux de l'oreille, là où c'est situé, ils ont le 15. Ma sélection 5, 8, 9, 15, 2, 3, 12, 13. Repéré dans les jumelles, le 5. Le spécialiste, le 15. La découverte, le 9. Le best of athlete. La course référence. Entraîneur hippodrome, driver hippodrome. Réussite déferrage à l'atelier. Harry de Sassy, 35 tentatives, 19 victoires, 8 places. Le classement par les points. Chronovérité. Les statistiques écart, expérience sur le parcours, coefficient de réussite, indice de forme. Le 1, le 6, le 7 et le 16 n'ont pas couru récemment. Les dernières arrivées dans la spécialité. Championnat de France des pronostiqueurs de trot. Un duel Horatios della Harry de Sassi. Les pronostics des médias. Le passé de la course 2023, 2022, 2021. Les plus cités, abandonnés 6, 7, 10, 11. Les favoris des médias. Réunion 4. Amiens. La première, la quatrième course. La cinquième, la deuxième course. La sixième, la troisième. Trois podiums en vue pour l'entraînement d'Adrien Foissier. Voilà. La septième course et la huitième sont au départ, Réunion 4. Alors voilà. Merci infiniment mes amis, à la prochaine vidéo avec d'autres journaux, Le Parisien et les autres. Bonne chance mes amis, bonne chance à tout le monde. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires. Je vous félicite, un grand bonjour et un grand chapeau.